Et salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur Royal Cube. Donc en même temps cette vidéo reprendra le rythme des vidéos pardon ben, normal, donc il y aura du Pokémon et tout, mais bon, bref. Donc là je fais une petite vidéo comme maintenant c'est moi qui héberge le serveur Royal Cube puisque Primel qui hébergeait le serveur a eu des problèmes, du coup c'est moi qui héberge. Donc du coup c'est moi qui héberge, alors peut-être que je serai un peu plus présent. Par contre Royal Cube sera pas ouvert tout le temps, tout le temps. Il y aura 4 ou 5 jours Royal Cube et 4 ou 5 jours d'autres maps PVP aventure, je verrai bien ce que je fais. Donc déjà je vais vous présenter la petite maison que j'ai construite. Que j'ai construit, pardon. Que voilà, assez basique. J'ai fait, je suis en train de faire une écurie que je continuerai en votre compagnie. Voilà, la maison, elle est assez basique. Je vais vous la montrer de l'intérieur. Donc voilà, donc là on est l'entrée. Donc ça c'est pas encore tout fait. Là il y a mon lit et tout. Là il y a l'enclume et tout, vous connaissez. Là il y a les coffres avec tout le bordel. Enfin, y en a d'autres là-haut, mais vous inquiétez pas. Je ferai une salle des coffres parce que là, c'est un gros bordel. Là, il y a la table d'enchant niveau 30. Là, il y a Taurap 77 ou Dark Raven, comme vous voulez, qui est en train de faire mince, une farm à potions automatique. Donc, on aura juste à appuyer. Bon, bien sûr, il s'en occupe parce que moi, je m'y connais pas trop en Redstone. Puis, il a voulu y faire. Je vais vous montrer aussi les constructions qui se sont faites au village. Donc moi du coup le portail est là-haut. Donc là ensuite. Ah oui, il y a mes deux petits ânes. Donc je suis en train de faire une écurie pour mes deux petits ânes et je vais aller chercher les deux chevaux là-bas. Dans mon ancienne maison. Parce que j'ai changé de maison. Parce que maintenant je suis avec Exogamist et Taurap. Alors voilà. Donc là c'est les coffres, un peu le bordel. On va repasser le portail. On va aller régène en même temps. Hop. Freeze. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aujourd'hui, je ferai une petite visite vite fait. Je vais en même temps continuer l'écurie. Et je pense que la prochaine fois, je commencerai une ferme automatique de. Non, peut-être pas une ferme automatique. Mais en tout cas, je ferai une petite structure pour faire la ferme. Donc voilà, donc là comme vous le voyez ça a pas bien changé à part les chunks qui se chargent pas. Donc là il y a la tour à skip. Donc pour l'instant on n'est pas beaucoup sur le serveur parce que ça fait pas très longtemps que j'ai repris le serveur. Donc là ça a pas bien changé. Il y a toutes les maisons. Là c'est toujours la mienne. Toujours aussi moche. Donc on va aller voir la petite structure que j'ai fait derrière. C'est une sorte de donjon, la structure que j'ai fait. Assez sympathique. On m'a dit que les trous dans le toit et tout, ça faisait bien donjon. Voilà, il y a un creeper au début qui a explosé. Au début, c'était pas comme ça. Mais ensuite, j'ai laissé comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est beau. Normalement, il y a des mobs qui spawnent, mais là, on est la journée, donc ça devrait pas beaucoup spawner. Ensuite, voilà, donc là, c'est easy, donc c'est les pas Primel. Donc Primel se connectera moins souvent parce que il a créé une team Minecraft et donc il sera surtout sur cette team. Il fait du Feed the Beast, mais bon, bref, c'est pas ça le problème. Un petit cheval, coucou toi, t'as combien de coeur? T'as deux coeurs de plus. Alors, on va retourner chez moi pour. Ah, faudrait que je vous représente le stuff. Vivement qu'on se mette en snapshot parce que ma pioche que j'utilise, elle est presque morte. J'aimerais la réparer avec ça, mais aussi je peux la réparer avec des diamants, mais bon. Je me demande combien ça coûte. Hop là. Donc je vais pas vous faire visiter toutes les maisons, hein. Je crois que je l'ai déjà fait. Moi c'est toujours par là, ça n'a pas changé l'emplacement du portail. Coucou Piggy. Alors ça c'est. Il y a des arcs un peu partout.
Enfin des flèches, pas des arcs. Hop. Voilà. On va éviter de souffler dans le micro. Et voilà. Donc, avant ça, je me demande si je vais... Bon, allez, on va quand même la réparer. Parce que pour me la faire 9, il me fallait 30 niveaux. Si je fusionnais avec ça et ça, et on va voir combien ça me fait 9 là. Là, j'ai pas beaucoup de... Vous voyez que j'ai pas beaucoup de diamants. Hein. J'en ai quand même pas mal, mais pas non plus des tonnes. Hop, faut vraiment que je range mon inventaire parce que c'est le gros bordel. Alors, la pioche. 18, 23, 28, 33. Ouais, donc là, vous voyez, c'est ça coûte plus cher. Et alors que si on met ça et ça, 30 levels, voilà. Donc autant la réparer avec une pioche normale, j'irai peut-être farmer hors vidéo. Dans la ferme XP qui est en dessous, oui, parce que je vais vous montrer, il y a la ferme XP. Je vais prendre une nouvelle pioche. Vais prendre peut-être pas ma fortune. Une pioche en fer au pire. D'accord, j'ai pas de pioche en fer. On va s'en faire une. Hop là. Table de craft. Tu. Hop, ouais, faut vraiment que je range mon inventaire, moi. Pas dans ce sens. Hop là. On va l'enchanter quand même, puisqu'on est swag. Peut-être pas l'enchant level 30 non plus. On va l'enchant level 1 ou 2, ça suffira. Vivement la nouvelle snapshot, comme je dis. 1. Efficiency, parfait. Alors. Maintenant, je vais vous montrer. Oh, faut que je pose ça. Vraiment que je range mon inventaire, moi. Pas possible. Ça j'y garde, ça j'y garde. C'est pas une hache, non. Trop de bordel, trop de bordel. Faut que je range mes coffres, mais bon, avant, je vais vous montrer. Donc là, il y a l'échelle pour remonter, mais sinon j'ai mis de l'eau pour redescendre. Bien sûr, faut pas se prendre l'eau en pleine figure. Là, comme vous le voyez, il y a plein de stuff et il y a plein d'arcs. Là, il y a des os, il y en a beaucoup aussi. Les flèches aussi, il y en a beaucoup. La table d'enchant qu'ils ont fait, assez classe. J'aime bien. Voilà. Là, c'est le bordel, hein. Vous connaissez. On va remonter. On va finir, enfin on va faire du moins. Du coup, on a combien d'enclos à faire? On en a 5. 5 enclos parce que j'ai mon cheval à moi, j'ai le cheval à Tao. Qu'est-ce que je raconte moi? N'importe quoi. J'ai le cheval Bah, j'ai les deux ânes. J'ai les deux ânes, j'ai les... Je vais essayer d'adopter un cheval à Thorap et un... Je vais prendre le cheval à... Et je vais ramener le cheval à Zogamist. Voilà. Donc, il fait nuit. Merci d'être déco. Non. Hop. Sleep. Pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. C'est parfait. Voilà. Donc on va pouvoir continuer. Donc voilà, donc ça j'ai fait ça. J'en suis là. Donc je me suis arrêté ici. Donc j'étais en train de faire un petit peu les contours. Déjà le design je le ferai après. Parce que le design c'est quand même le plus chiant à faire on va dire. Il faut beaucoup de bois. J'ai été récolter du Darkwood. Parce que Darkwood c'est la vie. Hop. Hop, pile de stack, voilà. Donc là, on en a déjà fait une. Ensuite, on va faire comme ceci. Je me demande si j'ai des barrières sur moi. Je pense que oui. Hop là. Des barrières, des barrières, des barrières, et ben non. Table de craft, ça a vite fait. Table de craft, table de craft. Hop là.
Une table de craft, parfait. On va faire des barrières. On va faire. Parfait. Hop là. Les sticks, c'est là. Donc j'avais pensé à. C'est pas ça que je veux. Voilà. J'avais pensé à faire ceci. C'est bien là, on va rentrer par là, donc ça c'est bon. Hop, 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 hop. Ouais, j'avais pensé à faire ça, ça peut faire assez sympa. Peut-être faire ça de l'autre côté aussi. Je vais voir ça. Ça devrait passer. Hop là. On va faire ça ici. Hop, hop. Et voilà. Ça peut faire assez sympa. Donc, ça va être un peu ce genre de style. Je pense que je vais faire une ellipse tant que je finisse au moins le premier box. Après, je vous reprends, je pense. Voilà. Allez. Ellipse. Et voilà, donc on se retrouve après que j'ai. Tout simplement que j'ai fini le box. Donc pour l'instant, c'est vu sur les côtés. Après, je vais mettre quelques. Je vais mettre quelques. Comment ça s'appelle? Les bottes de foin. Quelques bottes de foin, un petit peu. Voilà. Donc, ce serait à peu près comme ça. Moi, je trouve ça assez classe. Je verrai à faire peut-être quelques modifications sur le toit. Je verrai. Mais bon, voilà. Donc, je vais faire. Je vais refaire cette salle trois fois. Trois, parce qu'on a les chevals de Zoga, moi et Torap. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour quand j'ai fini toutes les salles. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve après, j'ai bien mis une demi-heure pour finir les trois autres enclos. Il me reste plus qu'à ramener les chevaux. Alors je vais vous faire voir ça. Une torche. Quand même que je torche. Donc voilà, donc là le premier enclos. Donc là j'ai modifié un truc. Donc du coup, pour voir mieux, j'ai mis un peu plus grand. Et ensuite c'est les mêmes. Hein. Ça change pas. Tête éclairée. Et je vais ramener déjà les deux autres chevaux. Donc qui suit The Gamist et le mien. Donc ils sont toujours dans mon ancienne maison. Ça devrait aller assez vite normalement. Surtout que le mien est assez rapide. Celui de Zoga encore, c'est bof. Et bon voilà. J'ai été obligé d'aller chercher du bois 3 ou 4 fois. Ça m'a pris extrêmement de temps. C'était un peu galère à faire aussi. Parce qu'il fallait que je fasse de la bonne taille et tout à chaque fois. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai pas revérifié. Mais au moment, ça devrait être bon. Puis de toute façon, si quelque chose ne va pas. Si je le vois toujours pas, vous me le dites, et sinon je corrigerai moi-même. Voilà, donc on va pouvoir passer à. Il y a encore ces flèches. On va pouvoir passer. Ah ouais, c'est vrai. Hop. C'est vrai, c'est vrai. Les chevaux. Les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux. Ouais, donc faut que j'aille chercher les chevaux parce qu'en fait ils sont un peu plus loin. Je les avais laissés. Faut d'abord que je me rappelle où je les avais laissés. Mais bon, bref. Faut que j'aille les chercher. Donc je suis désolé, on va refaire une petite ellipse. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve. Donc en fait, j'ai. Les chevaux ont dit pop, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un moment parce que en fait j'ai corrigé le bug des moutons. Donc du coup j'ai fait dit pop tous les mobs passifs et ça a dû faire dit pop les chevaux.
Et bon, vous inquiétez pas, j'essaierai de d'aller en rechercher trois autres, hein, c'est pas grave, j'ai des armures dans les coffres. Ça ira très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que j'avais l'intention de faire? Ah oui, donc des petites cultures assez sympathiques. Par contre, là, c'est le gros bordel. Enfin, peut-être que je terraforme un peu. Ouais, je ferai peut-être ça plus tard. On verra. Ouais, je verrai. Je terraformerai ça plus tard. On va faire des petites cultures de pommes de terre, on apporte. Je vais pas refaire les trucs autour là-bas, parce que c'est chiant. Je vais juste peux faire un tout petit champ. Il nous falloir de ça. Il va nous falloir des patates. On en a plus. Des carottes, on va cultiver. Cultiver ça, on peut cultiver quoi d'autre? Je ferai peut-être aussi une comment ça s'appelle? Une farm à poulet. Comme ça au moins j'aurai du poulet illimité. Alors que je réfléchisse ce qu'on a. Des carottes, c'est chiant, on en a plus. On va quand même commencer le petit champ. Alors, hop là. Il nous faut une houe. Je sais plus combien c'est une houe. Je sais plus faire une houe. Je crois que c'est deux, un truc comme ça. On va en faire deux. Viens là. Oh, ça c'est une pelle. Je veux une houe. Merci bien. Des seaux, on en a deux. C'est parfait. Oula. Hop hop hop, source d'infini, source d'infini, parfait. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça en dessous. Ah oui, j'ai plus de pioche non plus. C'est la dèche. J'ai plus rien du tout. Plus rien, plus rien, plus rien. Il va falloir que je parte miner. Ça va être un peu galère puisque je vais me faire un beacon aussi. Hop là. Et j'ai plus de. Quelqu'un, une. Voilà, parfait. Ouais, on va prendre une 9 quand même. Hop, hop, et hop. Voilà. Parfait. Donc, on va partir. Comme ceci. Parfait. Je vais pas faire une grande grande salle non plus. Hein. Voilà, ça suffira. 1, 2, 3, 4. Parfait. 3 et 4. Ah non, ça va être galère par contre. C'est vrai qu'il y a du. Faire pas du 4 par 4, ça va être trop petit. On va faire du 4 par 8. 1, 2, 3. Et on a plus de pioche. C'est parfait, parfait, parfait. Hop, 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 et hop. Je mettrai peut-être de la. Mince. Comment ça s'appelle? De la vitre. Comme ça, on verra mieux ce que je fais. Enfin, les plantations, on les verra mieux. Par contre, ça. D'accord, merci. Ça commence à me saouler trop de trucs. Allez, on va poser une houe. Voilà. Parfait. Donc je sais pas combien de temps de vidéo on en est, on est à 20 minutes. Bon, c'est pas bien grave. On va continuer. Donc, on est du 4 par 8. C'est quoi ici? Ah ouais.
D'accord. Oh là, j'ai trop de trucs. Allez, on va acheter ça, c'est pas grave. Mais non. Je te veux pas, toi. Voilà. Parfait. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, donc on va faire, je vais faire une petite plantation assez sympathique. Je pense finir la vidéo là-dessus, sur la plantation. Et dans l'épisode prochain, je pense faire une grosse salle des coffres. Puisque là, mes coffres à moi, ils sont en bordel et ça me saoule. Alors du coup, voilà, je vais faire une grande salle des coffres. Ah ouais, par contre, le gravier, ça va pas se faire, ça va pas le faire là. Ça commence à me saouler. Pourquoi je me suis mis dans un biome? Oh. Ah, mais c'est pas possible. M'embrouille. Ah, mais c'est pas... je vais dormir 2 secondes. Je sais pas pourquoi j'ai posé une torche, mais je l'ai posée. Voilà. Hop là. Hop là. Ça me saoulait. Alors on va virer. Alors faut pas qu'il tombe. Tu viens pas. Je t'aime pas. Voilà. Donc je fais du 4 par 8. Comme ça me fera une assez grande culture, je pense. Ouais, ça devrait suffire du 4 par 8 quand même. Ouais. On y voit que dalle. Parfait. La salle des coffres va être en dessous, je pense, de la porte d'entrée. Parce que sinon, j'aurais pas assez de place. En plus, si je pars trop sur la gauche en parlant parle d'entrée, il y aura du gravier. Donc, ça va être un peu galère. Donc, du coup. Je pense faire comme ça. Ouais, ça devrait aller. Le design de la ferme, je le ferai plus tard, hein, hors vidéo, parce que ça va me prendre du temps aussi. Il faut que j'aille récolter du bois et tout. Parce que j'ai plus de bois. J'essaye de tout faire en bois. Ça va me saouler. Donc je vais essayer de tout faire en bois. Je pense qu'on va se laisser ici. Je pense que dans le prochain épisode, je vous ferai voir la ferme finie. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Royal Cube ou le prochain épisode de Pokémon qui recommence ou de My Ninja, je verrai. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bref, vous connaissez, laissez un pouce bleu. Bref, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez. Ciao tout le monde.